Allô? Bonjour, grande sœur. Comment tu vas? Bonjour Sandra, comment tu vas? Je vais bien. Oh. Je viens juste de me réveiller. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout va bien. Juste que maman m'a appelée aujourd'hui ce matin. Est-ce qu'elle va venir à Abuja pour nous visiter? Ah! Non, 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 non. Comment tu me demandes quel est le problème? Non, moi je ne veux pas de problème ce matin. Je viens juste de me réveiller. Je ne veux pas. J'ai pas d'énergie pour ça. Je ne veux pas me retrouver à parler de mariage et tout ça. Pardon, je suis fatiguée. Non, c'est mieux que tu l'accueilles chez toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas la recevoir ici. Tu pourras mieux la gérer que moi. S'il te plaît, demande-lui de venir chez toi. On te verra bientôt. Ok, ma chère, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu te réveilles tranquillement et on t'appelle pour te dire ce genre de choses. Laisse-toi cette folle dame entrer. Mais de quoi tu parles? Où est-elle? Elle arrive. Où est cette prostituée? Où est-elle? Où est cette voleuse de mari? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour madame, salut. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous calmer. Quel est le problème? Tu me demandes. Tu ferais mieux d'appeler celle qui est dedans. Appelle-la maintenant, ramène-la moi. Fais-la sortir maintenant. Ok madame, s'il vous plaît. Vous êtes dans une résidence ici. C'est ma maison. Je vais vous demander de vous calmer. Quel est le problème? Oh, tais-toi, tais-toi. Juste tais-toi. Regardez là. Où est le problème? Où est le problème? Seulement, demande à cette voleuse de mari de sortir ici me voir. Ok, madame, s'il vous plaît. J'essaie de vous donner du respect. Maintenant, si vous n'en voulez pas, j'appelle les agents de sécurité pour vous mettre dehors. Me jeter dehors? Oui, pour vous mettre dehors. Laisse-moi te dire quelque chose. Je n'irai nulle part. Ici, c'est ma maison. Vous pensez que... Je n'irai nulle part. Attends, laisse-la sortir. Laisse-moi la corriger. Laissez-moi. Sécurité. 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 Qui est-ce? C'est Sandra. J'espère que cette folle n'est pas avec toi. S'il te plaît, ouvre la porte. Ah, Sandy, Sandy, merci beaucoup. Cette femme est folle. Pourquoi ne serait-elle pas en colère? Vas-y, dis-moi, pourquoi ne serait-elle pas en colère? Quelqu'un sort avec son mari et tu dis qu'elle est en colère. Comment as-tu pu? Qu'est-ce qui cloche avec toi? Sandra, pourquoi tu me blâmes? Non, c'est l'économie. Je ne veux pas t'entendre. Ne commence pas à te justifier. Arrête ça. Arrête ça. Tu es juste paresseuse. Au lieu de trouver du boulot, tu pars de l'économie. Sérieusement. Sandra ne m'insulte pas. Ah, maintenant c'est une insulte. Ah, je t'insulte, n'est-ce pas? Ok, continue à coucher avec eux. Quand toutes leurs femmes vont se réunir pour venir te taper, tu verras que j'avais raison. Sandra, pourquoi tu dis ce genre de choses comme ça? Que Dieu m'en garde. Ne dis pas ce genre de choses. Tu es en train de pécher et tu supplies Dieu de te protéger dans ta bêtise. Incroyable. Regarde, je n'ai pas les mots. Sandra, tu t'énerves si vite, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait, non? Ah. On vous rassure, va encore m'attraper. Maman, vous brillez haut. Oui, c'est vrai, tu es vraiment resplendissante. Pourquoi je ne brille pas, hein? Quand mon cœur est dans la joie, hein? J'ai trop manqué. Et mes petits-enfants aussi. Vous nous avez manqué aussi, maman.
Parlons de petits enfants. Où sont-ils? Ils sont à l'école, maman. Ok. Sandra, s'il te plaît, tu viens avec mes petits-enfants quand? Oh mon Dieu, maman, tu ne fais que parler de ça. Hey, tu blagues avec cette histoire-là, oh. Une femme, ça se fane. Ah ah, tu ne vois pas ta grande sœur? Regarde-la et prends exemple sur elle. Regarde comment elle est fraîche. Pop, 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 comme un fruit frais. Si tu la touches en ce moment, tu verras que tout fonctionne bien, bien. On sent que quelqu'un prend bien soin d'elle. Mais toi, pas de mari, pas d'enfant, même pas l'ombre d'un petit ami. Je n'ai rien vu. Mais pourquoi tu parles comme si le mariage était le seul but dans la vie d'une femme? C'est la meilleure des choses qui peut arriver à une femme. Si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Maman, maman, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Ah ah! Chacun a son temps pour se marier. C'est juste pas encore son temps. Hey, donc elle, son temps arrive quand? Parce que les années passent. Les années passent, oh. Le temps que... tu réalises que nous sommes en 2025, 2030, 2035. Quand est-ce que je vais porter mes petits-enfants? Quand je serai vieille avec la canne? Bientôt tes amis seront même grande-mère. Toi, tu traînes encore depuis. Pour bon, je m'en vais. Au revoir. Eh ouais. Sandra. Sandra vient de faire quoi? C'est pas comme ça. En plus, vous étiez trop dur avec elle. Eh ouais. Seigneur mon Dieu. Je parle, Sandra se lève et part. Ah, cela me rappelle. Comment va maman? Ah, elle va bien. À peine arrivée, la première chose qu'elle fait, c'est de me parler de comment je vis et du mariage. Es-tu sérieuse? Je le suis, je ne suis pas en train de rigoler. Oh mon Dieu, maman. Parlons d'autre chose. Oh, mon bébé. Sa femme est venue te voir ici, tu n'as pas compris? Il a demandé des excuses. Ah, ah. Hey, bébé. Bébé, tu m'as manqué. Oh, bébé. L'argent, tu n'as pas envoyé. Ah, mais... Cette fille n'a pas pitié d'elle-même. Sérieusement. Ah. Alors elle se comporte comme ça parce qu'on n'est pas mariés. Oui. Si tu n'as rien à dire de gentil, laisse-la tranquille. De toute façon, on n'est pas mariés. Ah. Kai, regarde le gars vilain qu'elle a épousé. Hé, hey, Viviane. Oh, regarde la forme de sa tête. Je suis désolée. Ce que tu dis est tellement drôle. Tu dois vraiment arrêter de faire cela. Au fait, tu sais, j'ai entendu que le gars était marié avec deux enfants. En fait, j'ai entendu que c'est elle qui a détruit le mariage. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Ah, waouh. Quoi? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose que peut-être tu ne vas pas aimer. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir. Donne, je vais regarder moi-même. Est-ce que c'est une blague? Sandra, je suis vraiment désolée. Non, il n'est pas question d'être désolé. Il a rompu avec moi, ça fait un mois, parce qu'il n'était pas prêt. Maintenant, il se marie. Est-ce que c'est une blague? Les hommes viennent. Non, j'ai besoin d'explications. Il faut m'expliquer. Parce qu'on a rompu juste il y a 30 jours. 30 jours, et maintenant, il se marie. Est-ce que c'est une blague? Et il ne voulait rien de sérieux. Est-ce que c'est une blague? Sandra, vraiment désolée. Je comprends comment tu te sens. Dieu va te donner ton propre mari. D'accord? Sous les spalés. Yeah.
Sandy. Hein? Tu vas bien maintenant? Oui, je vais bien, t'inquiète. Les hommes, ils sont tellement méchants. Tu leur donnes ton corps et tout ce qu'ils font, c'est de les briser. Regarde, c'est pourquoi j'aime pas les jeunes hommes, parce que eux, ils te feront toujours mal. Je préfère suivre les hommes mariés. Je quitte d'un homme marié à un autre, je prends l'argent avec celui-ci, passer à la prochaine, prendre avec celui-ci. Je veux dire, chacun joue avec l'autre. Ma belle, ok, oui. Les hommes peuvent être ce qu'ils peuvent être. Mais sortir avec les maris d'autres femmes n'arrange rien du tout. Arrête. Oh, bébé Sandra. C'est la vérité. Il y a encore des hommes bons dehors. Crois-moi, je le sais. Tu dois être patiente. Oui. Oh non, cela ne va pas marcher. Toi qui étais patiente, là, qu'est-ce que tu as gagné? As-tu trouvé un homme normal? Oh, je t'en prie, j'ai pas besoin de suivre ses motivations aujourd'hui. Oh bien, je peux avoir mon bébé. Quelqu'un qui n'a pas de petite amie? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon riche grand-père. Au fait, il est mon bébé grand-père adoré. Regarde, change de vie, réponds-toi. Je t'en supplie, cela ne te concerne pas, j'ai déjà répondu. Je m'en vais. Reste là à réfléchir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonjour maman, Sorette, ça va? Madame, enfin tu t'es réveillée. On a essayé ton numéro avant et c'était fermé. Oui, joyeux anniversaire ma fille chérie. Joyeux anniversaire Sorette. Hey, ma fille, je te souhaite une longue vie. Amen. Prospérité. Tu vas vivre longtemps pour moi. Amen. Amen. D'ici ton anniversaire prochain, tu trouveras le mari et tu seras enceinte. Hein? Ma fille, tu sais que tu as 29 ans maintenant. Donc la trentaine n'est plus loin. Hein? Pas oublié. J'ai un ami. Son fils. Si tu vois le gars avec la barbe, il revient juste d'un long voyage. Ça serait bien si vous vous mettez ensemble, tu vois. Maman, arrête, s'il te plaît. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai pas envie de parler de ce genre de choses. S'il te plaît, arrête. Oui, maman. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donne-lui une pause. D'accord. Je ne parle plus, mais je parlerai demain. Ma chérie. Au revoir, ma chérie. Au revoir, maman. Au revoir, Sandy. Je passerai chez toi cette nuit. Je t'aime. Au revoir, Sorette. Je t'aime aussi. Je serai à la maison. Oui. Elle est si heureuse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux tu ferais mieux de garder ton énergie, joyeux madame. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu sais, je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi et merci pour tes vœux. Alors, comment nous allons célébrer? Nous allons aller dans un club ou un restaurant pour fêter. On va rester à la maison et se reposer car j'en ai vraiment besoin. Tu bloques, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Oh non. Ceci ne va pas se passer sous mes yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux juste faire? Tu sais quoi? Va juste chercher une bonne robe pour porter aujourd'hui. S'il te plaît, arrête de me fatiguer. Franchement, aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Tu vas aller dehors aujourd'hui. J'arrive. J'ai dit que j'arrive. Je viens, je suis là. Oh mon Dieu, Ada, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Pourquoi tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, ton mari va bien? Vas-y, parle s'il te plaît. Depuis que j'ai atteint 30 ans, j'ai pas vu mes cycles. Et cela fait 3 mois.
Oh, tu m'as vraiment fait peur. Si tu ne vois pas tes menstrues, tu devrais être contente. Ça veut dire que tu es enceinte. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être enceinte? Tu ne veux pas avoir beaucoup d'enfants? C'est pas que j'ai pas besoin de beaucoup d'enfants. Alors pourquoi tu es en train de pleurer? Je suis allée voir le docteur pour confirmer si je suis enceinte. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il te plaît, parle-moi. Il a dit... J'ai reçu le plus chaud. Mais arrête de tourner autour du pot, juste va droit au but. Qu'est-ce que tu as reçu? Quel est le problème? Le docteur a dit... J'ai atteint la ménopause. Oh mon Dieu! C'est pas possible, Jésus-Christ. S'il te plaît, calme-toi. Non, non, tu es encore jeune. Je ne comprends pas comment... Comment ça peut être possible? S'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Calme-toi. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi ceci m'arrive maintenant. Je ne suis plus une complètement vraie. Arrête, arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête de pleurer, ok? S'il te plaît, arrête de pleurer. On va trouver une solution. On doit sûrement essayer un autre hôpital. Ça doit être ce médecin. Il n'a pas bien contrôlé. C'est bon, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Vous avez demandé à me voir. Pourquoi tu pleures? Ah, arrête-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai atteint la ménopause. Ménopause? Aïe! Eh ouais! Je sais pas pourquoi ceci m'arrive maintenant. Je suis trop jeune pour ça. Arrête. Arrête de pleurer. Hey. S'il te plaît. Hey. Ça va se reproduire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça va encore se reproduire. Arriver encore. Maman, comment ça se produire encore? Oui. Hey. J'ai atteint la ménopause quand j'ai eu 30 ans. Quoi? Maman, pourquoi tu n'as rien dit à ce sujet? Ah, pourquoi vous parlez de ce genre de choses, hein? Mais après tout ce temps, je ne pensais pas que ça arriverait à l'une d'entre vous. Et mais je quoi? Je ne pensais pas que ça vous arriverait aussi. Et oui. Et oui. Si ça m'est arrivé. Et à Ada aussi. Ça veut dire qu'il te reste seulement un... Maman, s'il te plaît, ne commence pas à parler sur ma vie. Ce n'est pas parce que ça t'est arrivé à toi et que ça s'est passé chez elle que ça va arriver chez moi. Sandra, comment es-tu sûre? Parce que je l'ai dit et je le crois fermement que ça ne va pas m'arriver. Arrête avec tes discours de motivation, hein? Ce n'est pas le temps d'inspirer pour aspirer. Les paroles de motivation ne peuvent pas aider ici. Et on doit trouver une solution pour que tu aies des enfants avant la... Maman, je ne serai pas ménopausée. Arrête de me dire ce genre de choses. Ça ne va pas m'arriver. Ce genre de choses ne vont pas m'arriver. Tu ne peux pas me dire ça, je suis désolée. Et tout va bien se passer sereine, t'inquiète pas. On va trouver un autre médecin. Viens ouvrir, je suis là. Je t'ai dit que oui, maman. Oh! Désolée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me demande ce que je fais ici. Dans la maison de ma fille. Désolée, maman. Bienvenue. Bienvenue. Regarde, je ne suis pas là pour jouer. Oh. J'ai laissé ma maison au village. Je suis venue pour combattre parce qu'il y a beaucoup à faire. De quelle guerre tu parles, maman? Ah, la guerre pour te trouver un mari, non? Tu dois t'en trouver un. Maman, arrête. Je n'ai aucun problème. Ce n'est pas avec moi que tu vas parler ton gros français. C'est ça même qui est la cause de ton problème. Hein? Toujours en train de te jouer les grandes dames partout. Et te voilà encore célibataire. Tu dis avoir fait des efforts. Ok, laisse-moi maintenant prendre le relais et faire le travail à partir de demain. On commence le jeûne et la prière. Par le feu, par la force. Ton mari va... Maman, s'il te plaît, rentre dans la maison.
J'espère que tu es prêt tôt. Sinon, apprête-toi déjà, parce que le travail sera fait. S'il te plaît, fais attention à comment tu montes les marches. Oh mon Dieu, tu es bon, 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 allez, tu es bon. Sa compassion vient voir la bonté de nos dieux. Alléluia, prions le Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es si bon pour moi. Réponds, réponds. Excellent dans ma vie de tous les jours. Oh Dieu, tu as été bon. Tu es si bon pour moi. Oh Dieu, tu es excellent dans ma vie. Hey, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, notre pourvoyeur. Nous venons devant toi. À genoux. À genoux, à genoux. Cette semaine est la fin de toutes choses. Ha, ha, ha. Hey. Alléluia. Jéhovah, notre pourvoyeur. Hey, Père. Je te confie mes deux filles ici. Avancez, assis à genoux. Voici mes filles. Amen. Cette semaine sera productive. Amen. Cette semaine sera productive. Amen. Cette semaine sera la semaine. Amen. Cette semaine sera la semaine. Cette semaine sera la semaine. Amen. Cette semaine sera la semaine. Amen. J'appelle leur mari au nom de Jésus. Amen. Hey, le Dieu qui donne des époux. Le Dieu qui donne de bons époux, pas les moindres. Je les appelle maintenant au nom de Jésus. Allez, répétez avec moi. Répétez avec moi. Mon mari à bon moi. Mari. Mon mari. Mon propre mari. Mon propre mari. Jéhovah, nous appelons les époux qui travaillent dans l'industrie du pétrole. Dites amen. Amen. Nous appelons des maris millionnaires. Amen. Des amen. Qui sont dans l'industrie du pétrole. Dites amen. Amen. Nous appelons des maris millionnaires. Amen. 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 Des maris millionnaires. Amen. Des maris millionnaires. Amen. Des maris qui ne sont pas avares. Amen. Ce sont les hommes qui sont pas beaux et un peu bizarres. Hey, mon Dieu, je n'ai jamais vu ce genre de prière durant toute ma vie. Si tu pouvais savoir à quel point ma tête me fait mal. Ma sœur, s'il te plaît, oublie, ta mère est une femme de prière. Oh, tu ne savais pas? Regarde, cette femme, c'est l'introduction. On n'a pas encore démarré. Tu viens de dire nous? Ma sœur, tu es seule. Qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Ce que j'essaie de dire est que je ne suis pas prête pour le mariage. Même pas dans bientôt. Alors, ça sert à quoi de prier, Jeanne? Au fait, mon grand frère m'a invité chez lui pour une semaine. Alors, je serai là-bas pendant 7 jours. Alors, tu veux m'abandonner dans cette aventure? J'ai pas le temps pour les prières machinales. Oh. S'il te plaît, t'inquiète pas, tu vas trouver un mari cette semaine. Regardez-moi celle-là, vas-y, pars. Tu es folle. Oh mon Dieu. Tu étais sérieuse, viens d'abord. Après 7 jours de puissant jeûne et prière, hein? Ton futur mari ne t'a pas encore localisé. Ce futur mari est têtu, oh. Hey. Maman, s'il te plaît, mon mari viendra. Il viendra quand ce sera le moment. Calme-toi. Arrête, arrête, arrête. Il faut lutter. Le royaume des cieux est forcé et il n'y a plus le temps pour l'attendre. Tu auras 30 ans bientôt. Donc, maman, qu'est-ce que tu veux dire par « je n'ai pas le temps »? Je n'ai que 29 ans, je prends 30 ans, le prochain anniversaire, j'ai tout le temps. Arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez de me mettre la pression par la même occasion. Comment es-tu sûre que ça ne t'arrivera pas aussi? Hein? Oya? Hein? J'ai entendu parler d'un puissant homme de Dieu. Hein? Nous devons aller le voir. Maman, s'il te plaît, ce sont ces choses de fétiche que je vois partout, je ne veux pas, non, je ne veux pas faire ça. Maman, j'en ai pas besoin. Oh, tais-toi, écoute. Je dois te supplier pour ta propre destinée. Tu viens avec moi, nous irons voir le prophète. Tu n'as pas le choix. On verra le prophète demain matin. Je n'irai nulle part, oh maman. C'est ton problème? Ah. Merci de nous recevoir aujourd'hui, malgré votre agenda chargé. Merci. Ce qui se passe, c'est que je suis venue ici à cause de ma fille. Mon problème est que j'ai un fort pressentiment qu'elle atteindra la ménopause avant 30 ans. Parce que j'ai eu le même problème, ainsi que sa grande sœur.
Maintenant, le problème ici est qu'elle n'est pas en couple encore. Sans parler de mariage. Et j'ai besoin qu'elle se marie et ait des enfants avant 30 ans. Où il y a la ménopause? Hein? Allez-y, dites-nous. Nous sommes là pour ça. Hey. Oh, pasteur, vous négligez l'importance de notre présence ici. Notre visite est importante. Nous avons pris de notre temps pour venir. Donc, peu importe ce que vous voulez proposer, allez-y. Nous allons le considérer. Qu'est-ce que vous dites? Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Coucher avec vous, pourquoi? Maman, je t'ai prévenu que ce genre de choses, c'était des bêtises. Vous êtes vaincu, vous et votre bureau que vous utilisez pour arnaquer les pauvres dames comme ma fille. Et vous êtes vaincu. Maman, s'il te plaît, allons-y, je ne peux plus rester dans ce bureau. Vous êtes vaincu, homme sans scrupules. Maman, allons-y. Ah. On m'avait prévenu et j'ai voulu essayer. Que Dieu vous punisse de profiter des bonnes dames en détresse. Vous êtes vaincu, homme sans scrupules. Vous êtes vaincu. J'avais entendu parler de faux pasteurs, mais c'est ma première fois d'en rencontrer un. Je t'ai rien prévenu qu'ils sont partout, c'est pour ça que tu dois être prudente. Dieu nous protège. Sinon, avançons. Il y a aussi cette autre prophétesse. Ah, maman, s'il te plaît, partir où? Non, je ne veux pas voir quelqu'un. Je suis fatiguée, je n'irai pas, je ne veux pas voir de prophète. Pardon. Ah, tu parles comme ça à qui? Écoute, tu n'as pas fini de m'accompagner. Tu vas me suivre. Tant qu'on ne t'a pas trouvé de mari, tu me suivras. Maman, s'il te plaît, je veux juste rester seule. Tu vas me suivre. Maman, s'il te plaît, je ne vais nulle part. Je suis fatiguée, je te le dis déjà. On revient déjà dans l'endroit, tu veux encore qu'on aille à un autre endroit. Franchement, c'est trop. Alléluia. 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 Hey. Père Céleste, merci, merci. Le Saint-Esprit vient de me révéler. Alléluia. Ta fille est une possédée. Une minute, rectification, je ne suis pas ce qu'elle dit. Tais-toi quand l'Esprit parle, non? Désolé. Cet Esprit parle à travers elle. Madame, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Couche-toi par terre. Je me suis déjà assise sur le sol, pourquoi je dois encore m'allonger? On va utiliser ce bâton. Ce truc a été utilisé par Jésus-Christ pour fouetter le démon. On va utiliser ça pour fouetter tous tes démons. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? C'est quoi encore cette histoire? Je ne veux pas, je veux rentrer chez moi. Laissez-moi partir. Ferme ta bouche. Arrêtez. Ma fille, désolée. Désolée. Cette femme t'a vraiment fait mal. Je te jure que Dieu punisse cette femme. Que Dieu punisse cette femme pour ce qu'elle a fait vivre à mon corps. Je ne savais pas qu'elle allait te faire ça. Maman, arrête ta comédie, ne fais pas ça. Arrête ta comédie. Ce n'est pas toi qui as eu l'idée de m'emmener chez ce prophète et maintenant tu joues à l'innocente comme si ce n'était pas toi. Sandra, calme-toi. Pourquoi tu me dis d'arrêter? Pourquoi tu prends toujours sa part? Tu ne connais pas bien l'histoire, mais tu te mêles de tout.
Ce n'est pas toi qui subis toutes ces choses. Ce n'est pas toi qu'on emmène faire des délivrances. Alors arrête. Vous savez quoi? C'est la ménopause le problème, n'est-ce pas? Eh bien, je m'en fous. Je vais me marier quand je voudrais me marier. C'est tout. Lâchez-moi. Sandra, c'est pas arrivé là-bas, non? Ça devient pesant. J'essayais juste d'être... Non, ne m'aide pas. Juste laisse-moi tranquille. Sandra, s'il te plaît, reviens. Tu exagères. Ce n'est pas si grave. Maman, vous avez causé tout ça. Regardez ce que la dame lui a fait. J'essayais juste de l'aider, non? Regardez son corps, c'est beaucoup. Je lutte pour la destinée de ma fille et vous me criez là-dessus comme ça. Et vous me traumatisez maintenant, je ne me sens plus trop bien. Et seul le Seigneur est mon berger dans cette persécution. Maman, vous êtes sérieuse? Tu ris, mais ce n'était vraiment pas drôle. Si tu pouvais savoir drôle. À quel point. Attends, donc, tout ça t'est arrivé? Regarde, j'ai souffert. Quand je te dis que j'ai souffert, je ne suis pas en train d'exagérer. Tu veux que je parle des jeûnes et prières, ou du prophète qui voulait me violer, ou de la prophétesse avec son fouet? Et je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails, tu sais. Oh mon Dieu, c'est vraiment drôle, comme. Mais, Sandra. Oui? Tu penses pas que tu dois prendre ceci? Ce problème me pose sérieux. Il y a une chance que ça puisse t'arriver. Ah, s'il te plaît, dis des choses positives sur ma vie. Je n'ai pas le temps pour ça, s'il te plaît. Quand tu crois qu'une chose ne va pas t'arriver, eh bien, ça ne va pas t'arriver, s'il te plaît. Amen. Amen. C'est simple. Amen. Voilà. Ça ne va pas t'arriver. Mais, sérieusement, je ne peux pas oublier ce que tu viens de me dire. Tu es en train de rire, mais j'imagine si c'était à toi qu'on avait fait toutes ces choses, j'imagine. C'est drôle. C'est... Maintenant, je peux en rire, mais ce n'était vraiment pas drôle. Dieu... Ce n'est pas de ta faute, c'est de ma faute. C'est parce que je t'ai raconté. Quand ce sera ton tour. Mademoiselle Sandra, selon le bilan de santé que j'ai en face de moi, vous allez parfaitement bien. Merci, docteur. Ouais. J'ai un sujet sur lequel j'aimerais vraiment vous poser des questions. Ok. C'est quelque chose qui est très fréquent dans ma famille et je me suis posé des questions parce que les femmes sont ménopausées à 30 ans. Vous savez, ma mère a été ménopausée à 30 ans, ma sœur également. Avant, je n'y prêtais pas attention, mais je suis en train de prendre l'âge, je suis en train de vieillir et je me pose certaines questions. Je ne sais pas s'il y a des médicaments ou bien une opération que je peux faire pour sortir de là. Mademoiselle, je vous comprends, mais vous savez, c'est extrêmement rare. Trouver des femmes de moins de 40 ans ou de votre âge atteindre la ménopause. Des études auraient été menées sur le sujet et ça démontrait qu'il y a 1% de femmes qui atteignent la ménopause à moins de 40 ans. Et je ne peux affirmer avec certitude que c'est votre cas actuellement. Toutefois, des médicaments, une opération ratée ou la chimiothérapie peuvent entraîner ce genre de résultats. Et pour les femmes qui ont ce genre de problème, je les conseillerais de prendre une grossesse très vite. Parce qu'une fois atteinte de ménopause, vous savez qu'après, tomber enceinte devient compliqué. Et dans votre cas, vous m'avez signalé que votre mère et votre grande sœur ont également le même problème. Cela signifierait que ce problème de ménopause précoce serait chez vous un problème génétique. Ça vous expose alors à de très gros risques de manifester ou de vivre le même problème. Ouais, c'est un peu ça. Donc ce qui nous manque à faire, ce serait de garder un œil sur vous et voir les choses évoluer. D'accord, docteur. Merci beaucoup. De rien. Je vais vous envoyer les médicaments et tous les résultats. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Passez une bonne journée. Sandra, quel est le problème? Eh bien, ma belle, je suis inquiète. Tu t'inquiètes par rapport à quoi? Mes menstrues sont venues en retard ce mois et j'ai saigné que pendant 2 jours. Alors je suis allée voir le médecin qui m'a dit que tout allait bien, que dans les analyses, il ne voyait pas quelque chose d'anormal et que peut-être c'était les gènes. Alors je lui ai demandé de m'expliquer un peu comment ça peut se passer pour moi. Elle m'a dit qu'il y a des fortes chances que je me retrouve également dans cette situation. Waouh,
Que dois-tu faire maintenant? Si je savais, je ne serais pas inquiète. Sandra, tu sais quoi? Pourquoi ne commences-tu pas à chercher un homme qui peut t'enceinter? Regarde, je sais que tu essaies de m'aider et que tes intentions sont bonnes, mais tu sais, j'ai mes valeurs et mes convictions. Et le mariage vient avant les enfants pour moi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu es née de nouveau. C'est bien, comme tu veux te marier avant de... Je pense que tu dois commencer à chercher un homme maintenant. Tu sais, c'est le temps pour toi. Il faut aller juste chercher un homme. Tu n'as plus de temps. Ok, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, mais je n'ai pas envie de me rabaisser à ce niveau. Donc imagine, je vais voir un gars dans la rue, je vais lui dire « S'il te plaît, combien ?» C'est ce que tu veux? C'est ce que tu souhaites? C'est comme ça que les choses se font? Tu sais quoi? J'ai un ami à moi célibataire. Je peux parler avec lui. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais quoi? Mieux vaut que tu ne perdes pas ton temps. Laisse les choses comme ça, ok? Sandé. Comment vas-tu? Ah, la nourriture, il est bon. Je suis désolée, je ne comprends pas de quoi vous êtes en train de parler. Ok. Désolé. Non, bah me délai. Ah. C'est-à-dire que moi et vous, Rodada, Bada, Rodada. Je ne comprends toujours pas. Ok. Manger nourriture ensemble. Ok. Manger nourriture. Toi, pas avoir faim. Laisse-moi prendre. Non, mon Dieu. Ok. Tu en verras un peu. C'est pas grave. Le manger pas plus beau que toi, mais bon. C'est quel genre de bêtise ça? Tu te fous de moi? Pourquoi m'arranger un rencard avec un homme aussi dégueulasse? J'arrive pas à y croire en fait. Ah, je ne savais pas non. Tu ne savais pas? Je pensais que tu as dit que c'était ton ami. Je pensais que c'était ton ami. C'est mon ami de l'école primaire. Il était tellement sale à l'école, mais je pensais qu'il a déjà changé maintenant. Il avait l'habitude d'être sale à l'école. Et tu penses que... Je pense vraiment que tu ne m'aimes pas. Tu te fous vraiment de moi. Ok, désolé. Ah. Je m'excuse pour tout. Je suis vraiment désolée. Tu sais quoi, j'ai d'autres... Hey, garde-les pour toi. Je ne veux plus de rencard arrangé, quoi que ce soit. Garde tous tes amis pour toi, s'il te plaît. Les gens sales, je ne veux pas. Oh mon Dieu, à chaque fois que je pense comment ce gars est en train de mâcher, j'ai envie de vomir. Sérieusement? Je suis désolée. C'était si mauvais. Ce n'est pas de ta faute. Désolée, non. Tu sais quoi, je veux dire, c'est juste encore le commencement. Tu sais... Il y a une autre manière de chercher l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'essaie de dire est qu'il y a les applications de rencontres. Qui sait? Tu peux trouver ton mari là-bas. Tu trouveras ton mari de cette manière. Moi, ce n'est pas la façon dont je vais trouver mon mari. C'est bon, j'en ai marre. Je me casse d'ici. Tu es désespéré. Tu as dit? Tu me donnes vraiment mal à la tête. J'ai envie de te taper mon sac. Cette fille est folle. Oh Dieu.
Sandra? Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce qu'on se connaît? Ouais, je suis le gars avec qui tu parlais sur les réseaux. Ken. C'est Ken. Non, écoutez. Il y a une erreur quelque part. Non, ce n'est pas ça. Le Kenneth que je connais, il est grand, clair et très beau. Ce n'est pas vous. Ouais, ouais. Regarde. La photo que tu as vue là, c'est mon pote. C'est mon ami que j'ai utilisé. Comme tu vois, je suis noir. J'ai utilisé son visage, qui est bien mieux. Est-ce que tu vois le truc maintenant? Juste une petite astuce. Je suis désolée, je crois que j'ai une urgence et il me faut aller à la maison maintenant. Oh, non, attends, vraiment, excusez-moi, mais je dois partir. Je dois partir d'ici. Sandra. Regarde-moi celle-là. Vous êtes vraiment très belle. Non, excusez-moi. Ok. Allô Yvonne. Est-ce que je n'ai pas été clair quand je t'ai dit d'arrêter de m'appeler? Efface ce numéro, ok? Tu m'as compris? Efface-moi, ne m'appelle plus jamais sur ce numéro. Je vais raccrocher tout de suite, espèce d'idiote. Désolé pour ça. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous voudriez quelque chose? Ok, sinon, où en étions-nous? Oh, bon sang, je dois décrocher. T'inquiète. Salut Victoria. Ce n'est pas le bon moment pour parler de ça. J'essaie de signer un contrat avec une cliente. Non, je t'ai dit que c'était pas encore le moment. Écoute, tu sais quoi? On va juste en reparler une prochaine fois, ok? J'ai dit non. Tu sais quoi? À plus tard, je raccroche. Bye. Oh, vraiment, vraiment désolé. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je travaille dans une entreprise d'informatique. Ok. Car je suis ingénieur en informatique. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je suis passionnée à propos de ça. Merde. J'ai dit. Oui. Je pensais avoir été clair de ne plus jamais m'appeler. Dans quelle partie de « ne m'appelle plus » tu n'as pas compris, hein? On a rompu, hein? Ok? On a rompu et c'est toi qui as diffusé tout ça. Ok, très bien, ça me fera des vacances. Ne m'appelle plus. Je ne veux plus jamais te voir. On n'est plus ensemble, tu as compris? Avance dans la vie. Au revoir. Et pour l'amour du ciel, ne m'appelle plus, tu as compris? Je suis vraiment désolé pour tous ces appels. Ils ne veulent pas laisser tomber. Sinon, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? C'est bon pour serveur. Moi. Serveur. Donc tu as échoué. Ce rencard m'a tellement épuisé l'esprit. Ceci est vraiment drôle. Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à me parler à moi-même. Je me suis dit, si tu restes là, tu vas souffrir. Parce que ce monde est rempli de phénomènes. Je ne parle même pas de celui qui a mis une fausse photo de profil. Dès que je l'ai vu, il ressemblait à une grenouille tellement vilain, impossible. Ou encore de l'autre qui recevait des appels d'une multitude de femmes. Si tu voyais comment il les appelait. Roue de secours. Qu'est-ce que c'est? Tu me demandes, j'en sais rien moi. Ils étaient vraiment tous pathétiques et joueurs. Et si tu les voyais en train de jouer les romantiques? Franchement, je peux pas. N'oublie pas ça. Ma chère, tu as souffert.
Je pense que vous devriez prendre celui-là. Celui-là? Ouais, celui-là, ouais. J'ai déjà utilisé les deux, mais celui-là est meilleur. Oh, merci. Je me demandais justement lequel je devais choisir. Oui. Vous avez terminé de faire vos courses, non? Oui, je pense. Oh, oui, okay. J'ai fini. Oh, moi aussi, je viens de terminer. Je pense qu'on devrait aller à la caisse. Oui, c'est ça. Ok. Bonjour. Salut. Oh non, non, ne vous en faites pas. Je vais tout payer. Ça ne me dérange pas, ok? Non, pas besoin. C'est bon. Oh non, non, s'il vous plaît, j'insiste. Laissez-moi payer, s'il vous plaît. Ok, merci. Oh, je peux aussi vous aider avec ça. Ça me fait plaisir. Mademoiselle, je pourrais vous déposer? J'ai ma voiture, merci. Quel dommage. Et sinon, comment est-ce que vous vous appelez? Sandra. Oh, Sandra. Oh non, c'est bien. Enchantée de faire votre connaissance. J'espère pouvoir vous revoir bientôt. Ok, je dois m'en aller. Une dernière chose, est-ce que je pourrais avoir votre contact? Ok. Venez. Sandra. Hein? Ah ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien... J'ai rencontré quelqu'un. Oh mon Dieu! Tu es sérieuse? Oui! Wow. Quand? Tu es sérieuse? J'ai rencontré quand je suis allée faire les courses. Quand? Et ça a vraiment été comme un coup de foudre. Il est beau, il est grand, il est bien éduqué. Franchement, je pense que... Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Je suis en train d'attendre son appel. Il va comme t'appeler. Ça. Il va t'appeler, t'inquiète amen, pas, il va t'appeler. Amen, amen, je suis amen. Tellement contente, enfin. Enfin, enfin. Oui. Je sais que j'ai demandé à Dieu un certain type de gars. Mais ce gars, comment il est tout ce que je veux et plus encore. Si tu le vois, franchement, tu vas me comprendre. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ce que je dis. Avoir des enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Tu es tellement drôle. Exactement, et il faut planifier tellement de choses quand ils arrivent. Franchement, c'est la plus belle des choses. J'aimerais avoir ma famille, mon mari et mes enfants. Ouais. Je te comprends. Je sais. Mais je parie que sur cela, je suis toujours plus forte que toi. Oh Seigneur. Non. Fais attention à la marche. Nous y voilà. T'es pas incroyable. Oh. J'ai besoin de mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Non, rends-le-moi. Allez, rends-le-moi. Mais arrête, je dois partir. Comment ça? Donne-le-moi. Moi, je t'en cours un peu. Tu vas avoir.
Oh, c'est pas vrai. Non, okay. Oh, ok, garde-le. Oh, je reviens dans une minute. Bon sang. Salut. Salut. Je suis votre nouveau voisin. Oh oui, salut. Je suis ici depuis quelques jours et je ne savais pas que j'avais une aussi belle voisine. Merci. Je m'appelle Philippe. Sandra. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté également. Je crois qu'on se dit à plus alors. Oh, vous passez par là? Vas-y. Oh, ok. Merci. Tu deviens autre chose maintenant, n'est-ce pas? Mais comment ça? Alors pourquoi tu viens plus me rendre visite? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire. Autre et... stock. Tu sais très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par autre stock? Je vois que c'est un homme. Qui a dit que j'avais un homme dans ma vie? Alors c'est un homme. Je n'ai jamais dit le contraire. Jamais. Pas étonnant que tu rayonnes en souriant d'un menton à un autre. Ah. Oh. Je pense qu'il est le bon. Je suis amoureuse de lui. Waouh. Je suis tellement contente pour ça, Sérette. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. As-tu dit à maman? Non. Et s'il te plaît, je ne veux même pas qu'elle apprenne. Tu la connais très bien. Oh oui. Ah, vous mariez quand? À quand l'enfant? Il faut tomber enceinte? Non, je ne veux pas. Tu pour as l'instant, raison. On est en couple. Il n'est pas question de mariage encore. Tu as raison, chérie. Mais quand comptes-tu le présenter? Ah, tu n'as plus beaucoup de temps pour tout ça. Ah, et tu as juste quelques mois pour atteindre 30 ans. Donc, il faut avoir ça en tête. Oh mon Dieu, je pensais que maman était le problème alors que tu es juste comme elle. Je suis bien, j'ai juste envie de prendre mon temps. Je suis amoureuse et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Hein? Alors, dis-moi, tu l'aimes? Il est vraiment romantique. Oh. Quel est son nom? Emeka. Comment on dit finger? Je suis contente pour toi, Sérette. Merci, merci beaucoup. Je suis tellement contente. Ce repas est vraiment délicieux. C'est sans doute le meilleur repas que j'ai jamais eu. Oh mon Dieu. Arrête bébé. Je suis sérieux, vraiment très bon. Eh bien merci. Alors, bébé, j'aimerais te poser une question. Ok. Tu nous vois nous marier? Bien sûr, évidemment. Ok. Oh, je veux dire, tout le monde voudrait se marier, non? Oui. Ouais. Oui, je veux me marier le plus tôt possible. Pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions sur le mariage? Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. T'inquiète, c'est rien du tout. Oui. Ok. Tu es plein? Évidemment que je vais en reprendre du plaisir. Laisse-moi d'abord finir avec celui-là. Oh. Tu vas bien? Oh, ouais, bien sûr. Je prends juste mon temps pour... Tu vois. Vraiment délicieux. Vraiment? From the weight on your chest to the shape of your body. Feel the pressure, the pressure, the pressure, the pressure on me. Ah, tu es là. Salut Tantine, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on a un nouveau voisin? Un nouveau voisin? Mm-hmm. Je ne savais pas. Oh, eh bien il y a ce mignon garçon dans l'entourage, son nom est Philippe. Oui Philippe, il est très mignon. La manière dont tu souris là, ne dis pas que tu ressens quelque chose pour lui. Comment ça?
Je t'informe juste. Regarde, ceci appartient à mon... Parlant de ton gars, tu lui as dit? Non. Mais Sandra, qu'est-ce que tu attends? Tu dois lui dire parce que tu dois te marier dans bientôt. Tu auras 30 ans dans bientôt. Je sais. Je ne veux juste pas lui mettre la pression, tu vois, du genre... Elle veut qu'on se marie. Tu ne vas pas lui faire fuir. Tu ne vas pas lui perdre aussi. Ce que tu vas perdre, c'est le temps que tu n'as plus. Écoute, je sais, je ne veux juste pas. Il n'y a pas à dire que je n'ai pas. Sandra, tu n'as plus le temps. Ne me dis pas que je t'ai pas prévenue. Ok, je t'ai écouté. S'il te plaît, est-ce que tu as gardé de la nourriture pour moi? Oui, j'ai payé 2 plats et une dans la cuisine. Oh, parce que je veux le meilleur pour toi, chérie. Je ne comprends pas. C'est quoi cette fixette sur le mariage? Tous les jours, mariage, c'est tout ce que tu as à la bouche. Je n'entends que ça dans cette maison. C'est quoi ça? Bébé, calme-toi. Essaie de te calmer. Tu ne m'écoutes même pas. Tu commences à hurler sur moi. Essaie de te calmer. Je veux me marier le plus vite possible. Non, mais je comprends pas. C'est quoi cette fixette sur le mariage? Je dois rapidement tomber enceinte. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Alors, dans ma famille, il y a ce truc qui commence dès que la femme a 30 ans. Ma mère l'a expérimenté, ma sœur également l'a expérimenté. Et moi, je me rapproche de 30 ans. Et moi, je ne sais pas si ça va m'arriver, mais je préfère prendre mes précautions. Écoute, je ne voulais pas te frustrer, te mettre la pression. C'est juste que je ne sais pas comment les choses vont se passer dans le futur. Et franchement, ça me tourmente. Attends. Tu aurais dû m'en parler. J'avais tellement peur de te le dire. J'avais peur de ta réaction. Ça va, ok. C'est qui? J'arrive. Jésus. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait braquer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une des femmes de mes petites amies. Eh Seigneur. Tu ris. Au lieu de me dire désolé, toi tu ris. Non, désolé, je suis désolé. Oh. Et elle t'a tapé comme ça? Waouh, c'est affreux. Désolé, hein, désolé. Tu ne vas pas dire que je t'ai pas prévenue. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Dégage. Je suis désolée. Oh, laisse-moi voir. Oh, Elle t'a retiré tes fossiles. Oh mon Dieu, cette femme, désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Tu vas changer, j'espère. Vas-tu changer? Je n'étais pas sérieuse à cause. Ce n'est pas ce que tu voulais dire? Waouh, incroyable. Nous allons prier le Père pour toi. Nous allons prier le Seigneur pour toi. Alléluia. Lève ta main au ciel. Attends, tu es sérieux? Oh, salut. Salut. Vous êtes notre nouveau voisin, je crois. Oh, mon nom est Viviane. Au cas où vous vous demandez, je suis célibataire et je cherche. Hey. Oh, déjà? Ok, d'accord, pas de problème. Oh oui, enchantée aussi. Au revoir. Au revoir, beau. Ah. C'était quoi ça? Oh Dieu, le gars est tellement chaud. Personne ne m'a dit ça pourquoi. Oh.
reviens ici. Oui, je l'ai fait. Oh, merci. 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 Oh, sérieusement, c'est vrai ça? Bien. Alors, pourquoi tu ne l'as pas fait? Sérieusement? Oh, je vois. Quoi? Alors là? Non. Non, tu es timide. Ok, alors montre-moi un pas. Danse. Tu n'es vraiment qu'un peureux. Tu es timide, hein? Pardon? Je t'ai posé la question pour que tu ailles danser seule. Pourquoi tu veux que je danse avec? Eh bien, si tu ne veux pas danser, ce n'est pas très grave. De toute façon, moi, je ne sais pas très bien danser également. Ok, tu veux plus de nourriture? Hein? Hein? C'est très bien. Très gentil de ta part. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à quelque chose. Je nous voyais bien faire des cours de peinture, tu sais, apprendre un peu à dessiner. Et peut-être la semaine prochaine, se faire un cinéma. Tu connais les films d'action et tout ça. J'aime vraiment les films d'action. Tu es tellement adorable. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Tu sais que je fais toutes ces choses parce que je comprends. C'est juste à cause de ça. Je veux que tu sois heureuse, tu vois. Et c'est pour ça que je t'aime, bébé. Tu me rends tellement heureuse. Tu demandes ce qu'on est en train de célébrer, hein? Ok, ce que nous sommes en train de célébrer, c'est toi, moi et notre relation qui ne finira jamais. Je vais te dire la vérité, Sandra. Quand je t'ai rencontré, j'avais enfin le sentiment d'être à la maison. Et je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. J'aimerais beaucoup que nous allions à un autre niveau dans cette relation. Oh mon Dieu. Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Oh mon Dieu. Veux-tu m'épouser? Oui. Je suis désolée. Oh mon Dieu, oui. Bien sûr. Quoi? Oh mon Dieu, j'hallucine. Oh mon Dieu. Oh, regarde-moi dans les yeux. J'aimerais me lever chaque matin et voir ce beau visage. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh mon Dieu, je suis tellement contente pour toi. Oh, ta bague est si jolie. Merci. Enfin, tu es engagée. Je sais. Waouh. Merci. Oh, chérie, je peux pas croire que tu as trouvé un. Neuf. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Tu es vraiment merveilleux. As-tu? Et Philippe? Qu'est-ce qu'il y a avec Philippe? Sandra, je suis pas aveugle. Je sais que tu aimes vraiment Philippe. Ok. J'apprécie Philippe, mais j'aime mon petit ami. Et voici la preuve sur mon doigt. Où est le problème?
Oh, c'est bien. Ok, tu as déjà parlé à maman au sujet. Et ta sœur? C'est la première personne à qui je l'ai dit. Elle était en mode, oh mon Dieu, on va porter de l'orange à ton mariage, on va décorer la salle comme ci, comme cela, comme ci. Et quand je l'ai dit à ma sœur, oh mon Dieu, celle-là, c'est complètement portée. On va porter du blanc, du noir, on va décorer comme ci, comme ça. Elles sont adorables. Cette année va être le meilleur anniversaire de tous les temps. Elle est toujours dans l'excès. On a un anniversaire à planifier. Non, tu as un mariage à planifier. Nous avons un mariage à planifier. Tantine, je suis la mariée. Qu'est-ce que je suis désolée, mais c'est toi qui vas organiser le mariage. Ah, lâche ma main, c'est ma bague, pas la tienne. Bébé, quand tu viendras voir maman, j'aimerais vraiment que tu ne t'inquiètes pas, ok? Non, je vais lui en parler avant que tu n'arrives. Il n'y a pas de souci, je viendrai les voir. On va trouver un temps pour y aller. Ma mère est spéciale. Je te promets. Ça va aller. Arrête. Oh, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Attends, je vais ouvrir. Oui, à un moment, j'arrive. Je suis désolée, je n'entendais pas. Je suis désolée, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Votre quoi? Bébé, qu'est-ce qu'elle raconte? Écoute, écoute-moi. Chérie, 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 qu'est-ce qui se passe? Vas-y, explique-moi. S'il te plaît, laisse-moi. Ok, ok. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Peux-tu parler? Est-ce qu'elle dit la vérité? Ouais. Pourquoi me demander ma main quand tu sais que tu es déjà mariée? Écoute. Il était donc marié. C'était un homme marié, c'était un homme marié. Pourquoi me demander ma main si c'est pour me faire ce genre de choses? Pourquoi? Sandra, c'est bon. Dieu seul sait. Il a 3 enfants, il est marié. Pourquoi? Pourquoi perdre mon temps? Comment je vais finir? Comment je vais finir? Qu'est-ce qui va m'a... Mais Sandra, c'est pas de ta faute. Comment pouvais-tu savoir que cette idée est mariée? Oh mon Dieu, pourquoi ce genre de choses m'arrive? Comment? C'est bon. Je suis fatiguée de tout ça. Ne me dis pas que ça va aller. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh, Sandra, tu iras bien, tu iras bien. Dieu va te donner un enfant. C'est bon. Arrête de pleurer, c'est bon, je veux dire. C'est pas de ta faute, non. Oui, vous pouvez rentrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Sérieusement, qu'est-ce que tu veux? Je sais que t'es fâchée, mais s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Quoi? Que tu m'as menti?
Ou alors que tu étais mariée depuis longtemps et que tu perdais totalement mon temps. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Dis-moi. Je comprends ce que tu ressens. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas parce que tu es un enfant du diable. Tu es un menteur, tu es un trompeur. Je sais que je t'ai menti et tout. Je sais que sur les papiers, je suis encore mariée, mais je peux divorcer d'elle et me marier. Regarde, écoute. Sors de ma maison. Dieu va te punir. Je veux que tu sors de ma maison parce que je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu depuis que tu es née. Sors de ma maison. Sandra, je suis amoureux de toi. Sors de ma maison. Je pourrais tout sacrifier pour toi. Je suis désolé. Est-ce que tu te fiches de moi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas un homme comme lui. Vous n'êtes pas fait de la même chair. S'il te plaît, sors d'ici. Sors d'ici! Philippe, attends. Philippe, je suis désolée, je n'aurais pas dû crier sur toi. Je suis en colère. C'est juste que... il m'a menti, il m'a déçu. Je lui ai tout donné. Pour découvrir ensuite qu'il est marié, qu'il a des enfants. Oh, salut. Je suis désolée, vous ne pouvez pas venir. Sandra ne veut pas vous voir. Je ne sais pas. Rien. Mais elle ne veut pas vous voir. Désolée. Il est parti? Oui, il est parti. Sandra, ce gars t'aime vraiment. Et je suis sûre que tu l'aimes aussi. Alors pourquoi tu fais ça? Regarde, je n'ai pas d'énergie pour ça. Je n'ai vraiment plus d'énergie à dépenser pour ce genre de choses. Avec ce que j'ai vécu, tu penses que j'ai envie de prendre un autre choc? Sérieusement, allez. Mais comment tu es sûr qu'il va te blesser? Je ne sais pas. Regarde. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'autre à part blesser les gens? Je suis fatiguée. Oui, bientôt j'aurai 30 ans. Et puis quoi? Oui, j'aurai bientôt la ménopause. Et puis quoi? Pourquoi je vais perdre mon temps à me mettre dans une relation qui n'a pas de futur? Pourquoi? Sandra, mais... Il n'y a pas de mais. Je ne veux pas. J'en ai marre. Je ne veux plus faire ce genre de choses. Okay. Mes enfants... Merci. Je respecte ton opinion.
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et regarde, je n'ai pas de temps à consacrer à ce genre de choses. Je ne veux pas me faire avoir encore et encore, ok? Et honnêtement, qu'est-ce que tu vas m'apporter si ce n'est pas un cœur brisé? Peux-tu marier une femme qui ne peut pas avoir d'enfant? Réponds à ma question. Eh bien, on aura un problème alors. Ma mère a eu la ménopause à 30 ans. Ma sœur a eu la ménopause à 30 ans. Et devine qui prend bientôt 30 ans? Moi. Et je l'aurai sûrement. Philippe. Écoute, avec tout cela, je ne pense pas qu'il y ait de l'avenir pour nous deux. Je veux juste que tu continues ta vie et sois heureux. Au revoir. Ne me touche pas. Pourquoi tu continues à insister? Pourquoi tu ne respectes pas ce que je te demande? Je veux juste que tu me laisses tranquille. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, regarde. Il s'est passé ce qui s'est passé et je dois prendre la décision de passer à autre chose. C'est tout. Franchement, je ne sais pas. As-tu dit à maman? Oui. Je veux dire, elle est inquiète. Vraiment inquiète comme d'habitude. Elle veut que je devienne une maman. Ada, tu sais, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai suivi les conseils de maman, j'ai fait les prières, les jeûnes, j'ai rencontré des gens. Et je suis vraiment fatiguée maintenant. J'ai 30 ans et j'aimerais juste avoir la tranquillité, la paix d'esprit. Je suis fatiguée de devoir me battre contre tout ça. J'essaye vraiment, mais je suis fatiguée. Non. Tu as essayé. Regarde, ce que je veux que tu fasses maintenant, juste vis ta vie et sois heureuse. Parce que tu mérites. Merci. Chien là. Je t'aime aussi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandra. Joyeux anniversaire. Eh oui, mesdames, je suis une grande fille maintenant. Finissons de chanter, comme ça on peut manger le gâteau. Merci beaucoup. Maman, merci beaucoup. Et merci à mon adorable sœur. Je t'aime aussi, sœurette. Toi, madame, tu sais à quel point je t'aime, alors merci d'être venue. Oui. Et maman, merci pour tes prières. Je sais à quel point tu pries beaucoup pour moi et ma situation. Alors merci. Mais on doit toujours trouver. Alléluia! Alors, oui, c'est ce que je disais, le couteau. Oui. Et attention. Hey. Maman, prends. Que va-t-on épeler? Jésus. D'accord alors. J. E. Non, enlevez vos mains. Enlevez vos mains. Okay, je suis la seule qui doit faire ça. J. E. S. 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 Jésus. Alléluia. Sandra, tu as été malade quelque temps maintenant. Je commence à avoir peur. Hein? Je pense que nous devons aller à l'hôpital.
Mon ventre me fait mal. Tu es sûre que ceci n'est pas le symptôme de la ménopause? Je ne sais pas. Sandra, s'il te plaît, on a juste besoin d'aller à l'hôpital pour découvrir qu'est-ce qui se passe. D'accord, attends, laisse-moi juste te chauffer de l'eau comme ça, tu peux te laver avec et on peut aller à l'hôpital. Mademoiselle Sandra, les résultats de votre analyse sont là. J'aimerais s'il vous plaît vous voir dans mon bureau, comme ça on pourra parler. Docteur, je sais que c'est la ménopause. Oh non, ça n'a absolument rien à voir avec la ménopause, ok? En réalité, j'ai de très très bonnes nouvelles pour vous. Ok? Alors, s'il vous plaît, suivez-moi. Ok. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je suis contente, en même temps j'ai peur, en même temps je suis excitée. Je suis enceinte, tu réalises ça? J'ai un enfant à l'intérieur de moi. Je n'ai pas de ménopause. Je suis vraiment, vraiment contente pour toi. Oh mon Dieu. Enfin. Je n'imagine même pas la réaction de maman quand elle va apprendre ça. Je ne sais même pas quoi dire, je ne sais pas comment agir. Sandra. Oui? Il y a quelque chose que nous avons pas parlé. Qu'est-ce que c'est? Le père. Comment ça, le père? J'espère que c'est pas Benga. Regarde, pourquoi tu vas toujours à gauche quand tout le monde va à droite? Oh! Bien sûr que non. C'est Philippe. Quoi? Philippe, écoute, je sais que ce que je t'annonce te rend un peu confus, mais tout va bien se passer. Je sais que ça a l'air fou, mais je pense que ça s'est produit la nuit où... Je ne pense pas. Ça s'est produit la nuit où on n'a pas utilisé de protection. Je voulais juste t'informer que je suis enceinte et je ne suis pas en train de te mettre la pression pour que tu sois le père de l'enfant. Je ne suis pas en train de te poursuivre pour que tu prennes tes responsabilités. Je vais le faire moi-même. Si tu veux faire un test de paternité, on peut le faire. Si tu veux des scanners, on peut. Mais si tu ne veux pas, ben c'est pas grave. Oui. Oh, ok. Oh mon Dieu, ok, c'était pas la réaction que j'espérais. Super. Je suppose que oui. Regarde. Je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. Je traversais vraiment une situation très compliquée. J'avais des sentiments, mais je ne voulais pas les reconnaître, les accepter. Et je veux juste que tu me pardonnes et qu'on puisse passer à autre chose. Ok. La mort. Oh mon Dieu. Papa. Ok. 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 Doucement. Oh, c'est pas possible. Oh.